Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de notre petite aventure sur Minecraft. Le soleil se lève et déjà bien haut dans le ciel, alors que les Endermen commencent à fuir devant tant de fureur de ma part, ou pas. Tandis que les villageois commencent à reprendre leur quartier, je vois quoi? Mais que se passe-t-il? J'ai l'impression que... Un cochon est hors de son enclos. Ça va pas du tout, ça. Ça va vraiment pas du tout. Alors, il faut qu'on aille remédier à cela en espérant que les Endermen me laisseront tranquille parce que les Endermen, je me sens pas du tout capable de me les prendre en mode one-to-one. Ouais, c'est ça, il y a que trois cochons dans. C'est quoi cette arnaque? Ah, mamamamamamamam. Il faut faire quelque chose. Allez, viens, petit cochon, petit cochon, petit cochon, allez, petit cochon. Mais il n'y a pas de son. Attendez, il n'y a pas de son. Me voilà de retour. Bon, alors, j'ai réussi à rétablir le son. Alors, je ne sais pas pourquoi y avait un bug. J'en ai profité pour nourrir les petits cochons, les faire rentrer dans l'enclos, et puis me voilà fin prêt. On va laisser les plants pousser tout seul. Et on va se diriger vers la petite caverne. Pendant que j'ai d'étranges chutes de framerate, ça va pas du tout ça. Allez, viens par là. Petit, 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 petit. Ah, il a peur lui aussi, hein. Allez, viens par là. Ah, il m'a pas vu en fait. Tu parles qu'il m'a pas vu. Il m'a tendu un piège, le saligaud. Hop. Bon. Ah. Qu'entends-je? Bon, attendez 2 secondes. Voilà, j'ai coupé quelque chose. Normalement, le framerate devrait être de nouveau stable. C'était ma table de montage sur l'épisode 1, justement. Donc, j'étais en train de monter l'épisode 1, mais bon, a priori, l'ordinateur n'a pas assez de ressources pour garder le projet en mémoire et avoir le jeu qui tourne en même temps. Donc bon, j'ai préféré couper la table de montage parce que si on a du framerate qui saute, ça sert à rien du tout de faire une vidéo. Donc je préfère faire ça comme ça. Hop. Bon. Alors, je crois pouvoir dire que notre caverne a été explorée. Et que bah finalement il y avait plus tant de choses que ça à l'intérieur. Bon, en même temps, elle m'a déjà bien assez fourni comme ça, je trouve. Donc on va s'en aller vers d'autres cieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire des demi-dalles pour passer par là. Bon, c'est pas vraiment utile. Mince. Par contre, j'ai pas de houe. Donc, il va falloir que je m'en fasse une.
Hop, les récoltes sont bonnes. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, ça devrait aller. Je vais me faire une petite houe pour réparer mon infâme erreur. Tac. En bois, ça suffit largement. Hop. Tac. Bon, ça y est. Ça c'est fait. Ah, il y a des citrouilles là-bas. De la cochonaille aussi. Hop, je prends l'œuf. Des fois qu'ils me prennent l'envie de faire un gâteau. Et pour faire un gâteau, il me faudrait du lait. Hop, on va aller chercher les cannes à sucre. Les cannes à sucre, c'est bon. Mangez-en. Il doit y avoir des souterrains assez développés dans le quartier quand même, parce que à chaque fois j'entends des bruits de zombies en plein jour, c'est pas hyper rassurant. C'est pas hyper rassurant. Hop, canne à sucre. Canne à sucre. Hop, il y a des cactus. Des petits cactus. Bon, dans l'immédiat, les cactus, c'est pas ce qu'il me faut tout de suite, donc c'est pas critique si je les prends pas. De toute manière, le biome du désert est juste à côté de ma maison, donc. Enfin, de ma fausse maison, puisque j'ai tout simplement choisi de prendre la maison, enfin la tour du village. Je suis un cambrioleur invétéré. Et la nuit tombe. La nuit tombe, je vais aller chercher les deux dernières cannes à sucre juste là-bas. On va courir un petit peu. Et puis on va essayer de se dépêcher de rentrer. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Bon, donc on voit bien la maison à l'arrière-plan quand même. Histoire de pas trop se perdre. Bon. L'air de rien, je suis quand même assez loin. Hein. L'eau, y a un grand lac. Bon. Bon, je pensais quand même que la petite grotte à côté du puits serait un tout petit peu plus intéressante en termes d'embranchement. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je vais faire pendant la nuit? Allez. Bon, j'espère que ça va pas être infesté de zombies par contre. Oh là, il y a un creeper juste là. Bon, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez. On rentre à la maison. Il y a une araignée là par contre.
elle m'a vu, il y en a plusieurs même. Hop, hop, et voilà. Il va falloir que je torche un petit peu plus le terrain quand même. Salut! Hop, bon, j'ai pas récupéré grand chose, je vais faire cuire la viande avec le charbon de bois. Je vais me faire un petit peu de pain. Tac, du pain sur la planche. C'est bizarre, le succès s'est débloqué alors que j'avais déjà fait un pain dans les épisodes précédents. Étrange. J'ai de la ficelle, je vais pouvoir me faire un arc. Bon, pour le moment, un arc avec deux flèches, c'est pas suffisant, mais c'est un début. Qu'est-ce que je vais faire cuire d'autre après? Le poulet cru. Allez. Hop là. Après, ben, j'ai rien d'autre à faire cuire. Bon, on va aller déposer des petits trucs dans le coffre, parce que mon inventaire est déjà semi-plein, on va dire. Il me faudrait du silex, ouais, il faudrait que je creuse dans le... Je vais mettre l'arc ici parce que pour le moment... Ah mais... Mais... Comment ça se fait que j'ai deux arcs? J'en ai récupéré un? D'accord. Bon. Faudrait que je regarde les épisodes précédents parce que je me rappelle plus du tout avoir fait un arc ou en avoir récupéré un. Faudra que vous me disiez. Vous pourrez vous moquer de moi hein, si jamais... Si jamais j'en ai déjà récupéré un, j'en ai fait un pour rien. Ce serait pas étonnant, hein, me connaissant, mais bon. Hop, bon, les barrières, pour le moment... Voilà, je vais vérifier quand même si les cochons sont toujours dans la... Oui. Ils sont toujours dans l'enclos. C'est bon signe. C'est bon signe. Hop, je vais me faire pas mal de petites torchettes pour... Pour tout à l'heure, parce que je vais essayer de torcher le terrain quand même. Hop. Tac. Hop. Bon, ça me fait un paquet de nourriture, je vais peut-être en laisser maintenant un petit peu dans le coffre. Des fois que je meurs. Ah oui, il faudrait que je me fasse un lit d'ailleurs. Pour ça, il faudrait que je trouve... Il faudrait que je trouve des petits moutons. J'ai un seau, bon, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, encore un Enderman. On les reconnaît bien à leurs petits yeux violets. Hop, 17 minutes de vidéo. Bon, un petit peu moins parce que j'ai pas mal coupé parce que je me suis interrompu souvent à cause de certains problèmes techniques. Je suis désolé. On va continuer. Hop. Alors combien j'ai de cochons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cochons adultes et deux petits cochonnets. Très bien. Hop. Hop, hop, hop. Bon, j'ai trois flèches. Trois flèches. Il s'agirait de continuer sur cette voie, n'est-ce pas? Hop, on va essayer de voir s'il n'y a pas du silex qui peut sortir. Non, bon, tant pis. Non. Bon. On sait jamais, hein. Autant essayer. Même si je suis sûr que vous êtes en train de crier... C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il me semble qu'il y avait pas mal de gravier dans la petite caverne. Bon, c'est pas grave, j'irai autre part. Qu'est-ce que je vais faire? Là, oui, il fallait que je pose les bases de ma maison. De ma maison, moi j'ai pas assez de pierre. Parce que bon, la maison, j'ai pas envie de la faire en pierre, mais je sais que... Remarquez, c'est pas si dégueulasse que ça. Bon, ça va, c'est pas non plus...
hyper chouette, mais c'est pas trop moche. J'hésite. Non, mais déjà, la base, il faudrait que je la fasse en pierre, parce que j'ai pas envie qu'un creeper fasse exploser toute la maison. Je sais que ça vous est déjà arrivé, et que... En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. J'avoue, je faisais pas le fier. Hop. Tac. 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 Bon, c'était peut-être pas la peine, mais j'avais envie. C'est pas la peine, hein, les cochons, vous arriverez pas à traverser la petite barrière. Donc, demain. Bon, je pense que je vais faire ça hors caméra, je vais torcher un petit peu le terrain. Et puis après, je vous reprendrai, et puis on va faire, je sais pas moi, la base de ma maison. Que je compte faire en planche, parce que c'est plutôt agréable de vivre à l'intérieur d'une maison en planche. Voilà, voilà. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Le soleil va... Ouais. Et... On va pas se lever tout de suite. Mais bon. Bon, allez, je vais sortir un petit peu, là, parce que je m'ennuie. Par le pouvoir de la torche. Hop. Voilà qui est mieux. On va délimiter quand même un petit terrain. Pas forcément amical, mais au moins où je peux voir ce que je fais dans le noir. Tac. Voilà, les villageois sortent de chez eux, c'est qu'ils doivent être assurés. Allez, viens par là, l'araignée, j'ai pas peur de toi. Bon, les yeux d'araignée, il va falloir que vous m'expliquiez à quoi ça sert. J'ai vu qu'on peut en faire des yeux d'araignée fermentés, je suis pas certain que ça ait une utilité capitale dans Minecraft, mais bon, si jamais vous voyez vraiment à quoi ça sert, si ça a vraiment une utilité, bah, faites-moi signe, peut-être que je les utiliserai. Tac. Mince. Voilà, il me semblait bien que c'était cassé à cet endroit-là. Voilà. Ça a de la gueule. voilà. Bon. Est-ce que j'ai de la... Oui. Je vais vite fait bon, boucher un petit peu les trous. Tac. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Donc le jour se lève. Il est déjà bien levé d'ailleurs. Donc je vais vous reprendre dans l'épisode 5 de notre aventure sur Minecraft. Et je n'ai plus de bouse. Hop, voilà. Donc à très bientôt tout le monde. Salut à tous!